Il y a très longtemps, au sein d'un royaume calme en apparence, un mal invisible rongeait le petit village de Montespiel. En effet, chaque nuit, des hurlements déchirants de villageois en souffrance émanaient de la forêt, offrant ainsi à de nombreux innocents la découverte macabre de plusieurs cadavres. Pour éradiquer ce mal qui plongeait continuellement les habitants dans le désespoir, le conseil du village décida de fonder sa propre guilde. Cette dernière était composée d'un fier assassin dont on comptait les actes à travers tout le royaume, d'une jeune villageoise avide d'exploration et d'aventure, d'une oracle pour qui l'art de la divination n'avait plus aucun secret, d'un paysan fort et téméraire, et d'une magicienne connue pour ses puissants maléfices. Ensemble, ils se rendirent dans la forêt de Montespiel. Après 3 jours de marche dans les bois, la guilde fit une découverte étonnante. Il s'agissait d'un homme étrange, trop bien vêtu pour passer inaperçu. L'assassin, surpris de cette rencontre, demanda à l'inconnu. Oh ! Vous là, qui êtes-vous? Je me suis perdu dans cette vaste forêt, et j'ai été distrait par mes pensées. Auriez-vous l'obligeance de m'aider? Juste pour cette nuit? Et demain, je partirai. Sans avoir idée des conséquences de cette réponse, les habitants du village entrèrent ainsi dans la plus longue nuit qu'ils connurent. Au petit matin, une voleuse s'approcha doucement du campement afin de détrousser le groupe, lentement et sans bruit.
Elle repéra ce qui semblait être pour elle la meilleure prise de sa journée. Mais elle ne savait pas que dès cet instant, un piège sordide se refermait sur elle. Réveillés par ce cri, les deux villageois se redressèrent et furent ainsi les premiers à découvrir la réelle menace de la forêt de Montespiel. Réveillés tour à tour par une curieuse prémonition et par un cri déchirant, la magicienne et l'oracle se levèrent. Alors que sa vision allait se réaliser, l'oracle décida de s'interposer entre la magicienne et les lycans. Et c'est par ce sacrifice qu'elle perdit la vie. Après avoir tué le dernier lycan, l'assassin rassembla tout son courage pour éliminer l'ultime menace. Et c'est par ce geste désespéré qu'il s'éteignit dans d'épouvantables douleurs. Pensant avoir fini sa besogne, le comte fut surpris de voir la magicienne se relever de ses blessures. Mais elle était trop faible pour l'achever.
elle décida d'utiliser un maléfice puissant lui permettant de sceller le comte afin de le réduire à un simple esprit errant. Pour lancer ce sort puissant, elle dut sacrifier son âme et l'esprit encore présent de ses défunts compagnons. Ainsi, ces âmes se réincarneront à travers les époques et combattront le comte de Mondespiel pour l'éternité. Suite à cet événement surnaturel, de nombreux loups se sont installés dans la forêt, provoquant l'abandon du village. Ainsi naquit la légende de la malédiction de Mondespiel. Si on suit la légende, on est dans un endroit où plein de choses malsaines se sont passées. C'est pour ça qu'on dit que des âmes hantent. Attends, des âmes? Ce seraient des âmes qui seraient à l'origine du meurtre d'Alexis? N'importe quoi. Non, mais c'est pire que ça. Ce texte reprend les mêmes personnages que ce que j'ai lu en premier. Et les mêmes personnages, on les retrouve dans la légende que je viens de dire. Les licans, le mage, les villageois, l'oracle et l'assassin. C'est ça. Les mêmes personnages qui ont tué le comte. Et regardez, il y a un symbole pour chaque personnage. Attends, celui-là là, je l'ai déjà vu celui-là. Mais qu'est-ce que tu vas... Mais si, rappelle-toi aussi là, ce matin, sur le poêle, sur la main d'Alexis, regarde. Et Alexis, il a jamais eu ça. Il aimait pas les tatouages, il trouvait ça vulgaire. Moi j'ai, on aurait dû lui offrir un tatouage, un truc dans le genre. Ça au moins c'est original. Ça c'est vulgaire, ouais. Compte pas sur moi pour financer ça. Donc après sa mort, il a révélé son rôle. Les licans, qu'est-ce que c'est exactement? Par deux, les licans se réveilleront parmi vous. Chaque nuit, un repas ils feront de vous. La malédiction. Les licans qu'on recherche, c'est deux d'entre nous.